بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصيحابي صويحباتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي. ميزلمي كالبونور ميزلمي ميزلمي كالبونور. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne évolution, bonne révolution, bonne Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin. Bon, ce que tu veux, mon frère, ma soeur, non-musulman, en humanité, qu'Allah t'accorde la guider et ses délices. On entre directement dans le vif du sujet, sans transition, comme disait l'autre. C'est un rappel de notre sœur Carole. Une sœur reconvertie, qu'Allah la bénisse, elle vous fait un petit rappel très concentré, mashallah, qui me permet de dire des choses, sachant que j'ai déjà dit plusieurs choses depuis quelques temps maintenant, et vous ne voulez toujours pas m'écouter. Je vais pleurer. Vous ne voulez pas m'écouter, vous êtes très méchants. Il y a quelque chose qui me dépasse. Moi qui est devenu une sorte de spécialiste de rappel internet, il y a quelque chose qui me dépasse vraiment, à laquelle je n'arrive pas à trouver des explications. Je peux expliquer comme je veux, mais rien ne m'explique. Je vais vous donner le rappel. Elle vous dit, les amis, depuis le temps que nous faisons des rappels, nous constatons que souvent les gens réagissent d'une manière complètement égoïste et égocentrique. Du genre, ton rappel ne m'a rien apporté. Ton rappel ne m'a rien apporté. Pourquoi tu fais un rappel là-dessus? C'est inutile. Et j'en passe. Mais qui t'a dit que le rappel n'était que pour toi? Rien que pour toi. Sérieusement, il serait temps d'arrêter de ne penser qu'à vous, comme si vous étiez seul au monde, devant votre ordi, et que parce que quelque chose ne vous plaît pas, alors ça déplaît à la terre entière. C'est juste consternant. Pourquoi j'ai lu justement? Psychanalysez-moi. Ouais, psychanalysez-moi, s'il vous plaît, à la Freud. C'est juste consternant. D'étroitesse d'esprit comme raisonnement. C'est juste consternant. D'étroitesse d'esprit comme raisonnement. Si ça ne te sert pas à toi, eh bien, vole bien. Et dis-toi que ça sert sûrement à quelqu'un et remercie Allah de ne pas avoir besoin de rappel dans le domaine. Et si tu partages la vidéo, le texte ou l'image, il se peut que tu sois étonné par le nombre de personnes qui pourraient, elles, aimer et se reconnaître dans le rappel fait. Bon, et si tu partages la vidéo, le texte ou l'image, il se peut que tu sois étonné par le nombre de personnes qui pourraient, elles, aimer et se reconnaître dans le rappel. Réveille-toi et commence à te remettre en cause. Arrête avec ton orgueil. Arrête avec ton orgueil, s'il te plaît. Reviens à toi. Réconcilie-toi avec toi-même. Crains Allah subhanahu wa ta'ala. Tu penses que tu es derrière ton identifiant courageux, brillantissime, mais tu es rien. Et en plus, Allah te regarde. Mais un seul mot peut te mettre en enfer. Tu te dis par ta bouche ou par ton clavier, et il te met droit en enfer. Et tu sais très bien que tu vis déjà l'enfer sur terre. Un enfer miniaturisé qui te dépasse. Donc imagine l'autre. Ouh, cette jeunesse. Aïe, aïe, aïe. Et si tu partages la vidéo, le texte ou l'image, il se peut que tu sois étonné par le nombre de personnes qui pourraient, elles, aimer et se reconnaître dans le rappel fait. Tu as donc plusieurs manières de faire face à quelque chose qui te déplaît. Soit tu ignores la chose en te taisant.
en majuscule. Soit tu ignores la chose en te taisant. Soit tu partages pour les éventuelles personnes que ça pourrait aider, en te taisant. Soit tu conseilles la personne qui a fait le rappel en privé et de la meilleure manière. Soit tu dis, aussi j'en rajoute une, tu fais de la critique constructive directement en public. Mais la meilleure des manières, en rajoutant quelque chose que peut-être le rappel n'a pas vu, ou n'a pas priorisé comprise, ou tu écris toi-même un article pour rajouter des choses, pour enrichir le débat, pour élever encore et encore le débat. D'accord? Tu donnes une anecdote par rapport à ton vécu à toi-même, ou le vécu que tu as vu de quelqu'un de ton entourage, que tu as observé de quelqu'un de ton entourage, et il y a pas mal de choses à faire. Mais toujours avec la positive attitude qui est islamique, qui est dans le cœur de l'islam. Ça marche, je compte sur toi. Soit tu conseilles la personne qui a fait le rappel en privé et de la meilleure manière. Et mon frère, ma sœur, ne crois pas que lorsque je te conseille de te taire, je le fais pour mon ego ou parce que je ne supporte pas la critique, car tu te tromperais lourdement. Wallahi, je le fais pour toi. Wallahi, je le fais pour toi. Car c'est un ordre de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith. Hadith que je cite très régulièrement, que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il ne dise que du bien ou qu'il se taise, man kana ya'budullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yaqul khayran aw liyasmut. Rapporté par Al-Bukhari. Et celui qui arrive à se dompter lui-même pour réussir à appliquer parfaitement ce hadith maîtrise tous les honneurs et le plus grand respect. Et celui qui arrive à se dompter lui-même pour réussir à appliquer parfaitement ce hadith mérite tous les honneurs et le plus grand respect. Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que notre Abu Umama bien-aimé n'a pas compris dans notre manière d'observer le rappel et d'agir avec le rappel, c'est le fait que tu vois le rappel, tu le lis ou tu l'observes, ou tu ne le vois pas, mais tu le vois dans ton fil d'actualité et tu n'appuies pas sur partager. Celle-là me dépasse. Je mets string saint double fesse et ça va être partagé 1 million de fois. Je mets n'importe quoi, n'importe quelle chose, quelle qu'elle soit, minable, futile, qui n'a aucun intérêt. Et là, ça va être partagé 10 000 fois à la seconde. Et quand il s'agit d'appel, de rappel, subhanallah, wallou, pourquoi? Il y a tellement d'explications. Parce que Facebook va porter plainte contre toi. Parce que, qu'est-ce que vont dire tes amis? Si tu partages ça une fois ou deux, ils vont dire que tu es un intégriste. Quoi, par exemple? Quoi d'autre? Parce que toi-même, tu sais que tu es très 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 loin par rapport à ce monde qui n'est pas étranger à toi. Tu vis pour adorer Allah, ni plus ni moins. Mais tu vois ta vie minable, malheureuse, et tu dis, j'attends la retraite. Pour commencer à partager, j'attends la retraite. Quand je serai vieillard, l'islam est trop contraignant, je m'amuse, je profite, je fais le civilisé, d'accord? Je couche à droite et à gauche, je perds mon temps, je gaspille ma vie, hein? Et je me noie dans la masse, ni vu ni connu, parce que si je partage, mais crains Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu penses que tu ne mérites pas encore l'islam, il y a dans tes amis quelqu'un qui le mérite et qui le cherche avec impatience. Oui, mais Abou Mama, il y a tellement de choses. Ton rappel à toi va servir à quoi? Il pose des pierres à l'édifice. Il apprivoise, alhamdulillah, d'une manière, des personnes qui peuvent ouvrir leur cœur à cette manière. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Réveillez-vous. Retournez à vous-même. Wallahi, vous êtes gravissime.
grave et pas encore désespéré et pas encore désespérant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.